salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing sur le collector de The Division et que je fais cette vidéo pour Fragmatic, pour sa chaîne, il m'avait dit, alors écoute, Fragmatic je t'avais promis, ben voilà, je le fais. Bon bah ben, on se lance, on va ouvrir la petite boîte qui est déjà bien stylée, franchement, une belle boîte, bon j'imagine un peu plus large mais elle est belle, elle est belle. Mais écoutez, on va ouvrir tout ça. Ah, bien joli, joli système. Oh, c'est magnifique. Ah, déjà, le système d'ouverture est bien stylos. Là, on a un petit livre avec des images. Petites images comme ça. Bon, c'est stylé. Ensuite, on a. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis le petit cutter des familles. J'ai envie de 3000 le matin quand même. Pas une ouverture quelque part? Si, il y a une ouverture. Une petite ouverture. Je suppose que c'est le poster. Des petites images. Ouais, effectivement, c'était. J'avais bien raison. C'est le petit poster. Qui est d'ailleurs bien stylé, franchement. Il est plutôt beau. On va se mettre un petit peu à la lumière pour mieux le voir. Voilà. Ah, il est bien beau le poster. Voilà, on va mettre ça là. Alors là, nous avons des codes, je suppose, pour des packs. Ah ouais, les packs, d'apparence. Voilà. Là, on a le Season Pass. Voilà. Ensuite, ben forcément, le jeu, hein. Ça, c'est pas une surprise. Et qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une pochette. À quoi sert cette pochette? C'est peut-être pour la montre. Je ne sais pas. Alors là, franchement, si vous savez à quoi ça sert, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça nous aiderait bien, parce que là, franchement, je vois pas ce que c'est. C'est stylé, mais ça sert à rien. Bon, bah non, on a bien une pochette avec. Et ce que j'attendais par-dessus tout, la fameuse montre qu'ils avaient promis dans ce petit. Enfin, ce collector, pardon. Cette fameuse montre. On déchire un peu à l'arrache. Hein. Fameusement montre. Ah putain, c'est vraiment une vraie montre, quoi. Hein. Putain. Elle est belle la montre, hein. Putain. Imaginez une vieille montre en plastique pas super. Eh bien, elle est belle cette montre, elle est belle. Franchement, elle est belle. Et bien voilà, on se retrouve pour cette vidéo sur la fameuse montre. Mais écoutez, j'ai un peu aspecté, c'est un peu compliqué tout ce bordel, mais c'est pas mal, il affiche l'heure. Normalement, il y a un halo orange là, mais. J'ai un peu trifouillé la montre, je vous avoue. Mais bon, elle est un peu compliquée à régler. Hein, je vous avoue, il y a tout un manuel hyper compliqué. Mais j'ai fait de mon mieux pour régler l'heure correctement. Hein. Ici, il est 6h37, comme vous pouvez le voir. Hein. Bon, on a toutes les fonctionnalités du monde normal. Hein, chronomètre. Voilà. Et toi, le chronomètre, merci. Chronomètre. Du coup, on enlève. Là, tu as une alarme, et voilà, il est 6h37, et voilà, c'est vraiment une véritable montre, et franchement, bien stylé, regardez, une belle montre, franchement, c'est une belle pièce, franchement, il est magnifique. Les gars, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, en tout cas, moi, ça me fait plaisir, c'est surtout... qu'il faut remercier mon pote Wardevil, parce que c'est grâce à lui si j'ai pu vous sortir la vidéo, vu que c'est lui qui l'a tourné pour moi, justement. Je lui avais demandé, il m'avait dit, ouais, t'inquiète, dès que je reçois le collector, je te fais l'unboxing. Voilà, il l'a fait, vraiment un gros merci à lui. Je ne m'approprie pas
sa vidéo. Honnêtement, les gars, je fais vraiment ça pour partager, pour vous montrer de plus en plus de unboxing de collector, parce que moi, j'ai pas forcément les moyens d'en acheter, et eux, mes potes, bah voilà, ils taffent, donc ils peuvent s'en prendre. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. On est là pour partager, même si j'ai par exemple des autres potes, ou même si toi, en tant qu'abonné, tu veux partager, tu veux faire partager un unboxing, tu me l'envoies, je le mets sur ma chaîne et je dis bien que c'est à toi, je mets ta chaîne dans la description. Bon, là, en l'occurrence, sur David, il n'a pas de chaîne, mais en tout cas, je le remercie, c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Un petit unboxing des familles, un gros big up une dernière fois à Wardeville, merci frérot. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse sur ces images, je vous dis ciao à la bise, les gars.